Eh bien, bonjour à tous, c'est Willy Jumeau, et bienvenue, très chers amis, dans un nouvel épisode de Space Engineer Expansion. Alors, suite à une vanne qui est très drôle, mais que je ne peux absolument pas vous raconter en live, enfin, que je peux absolument pas vous raconter en épisode, parce que sinon, cet épisode va être démonétisé, même si, bon, en soi, c'est très drôle, hein, ça je dis pas, mais voilà. Continuons la construction de cette espèce de saloperie de... d'un système de convoyeur de mort, voilà. Hop, alors, donc. Alors déjà, là, il va falloir que je relie tout. Parce que faut savoir qu'en off, j'ai relié l'intégralité de mes conteneurs. Hein. Alors là, pour le coup... Ah oui, attendez, j'avais peut-être pas fini de tous les paramétrer mes trucs, si. Non, c'est ça, j'avais pas fini de tous les paramétrer. Donc, alors, attendez, ce qu'il y a là, c'est quoi? Scaniala c'est quoi? Scaniala c'est quoi? Je ne sais plus du tout. Alors ça, ce sont les plaques d'acier. Ok, est-ce que de l'autre côté j'avais fini? Je fais tellement de trucs à la fois, je me fais tellement attaquer de tous les côtés que je me souviens même pas en fait. Ça, c'est trier le convoyeur 19. Ok, donc lui il n'est pas fait. 18, c'est pas fait non plus. Ok, c'est pas grave, c'est chose qui arrive visiblement. Ça c'est les plaquages d'intérieur. D'accord, bon. Je n'ai absolument rien fait. Ce sont des choses qui arrivent. Donc, ce que je vais faire, c'est que, pour des raisons d'esthétique plus que douteuse, soyons sincères, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à faire les rudiments du système et en paramétrant, je le ferai au passage. Hop. Tac, tac, voilà. Tac, tac, et tac. Mais s'il te plaît, mais putain, ça aurait de mort. Et toc, merci. Là, c'est pareil, j'ai pas mis là, pour bien ça, Willy, merci. Voilà, ah putain, le Willy fait n'importe quoi, le Willy fait absolument n'importe quoi, n'importe quand avec n'importe qui, je vous rassure, pas toujours dans cet ordre, tac, tac, putain, mais... merci connard. Oui, bon, ma vidéo sera peut-être pas monétisée pour ça aussi, mais ça c'est autre chose. Ce sont visiblement des choses qui arrivent. Comme on dit, on peut pas toujours avoir tout ce qu'on veut. Hop, tac. Tac. Et tac, voilà. Alors. Mais, oh, putain, ça a pris. Voilà. Je peux le mettre là ou pas? Ouais, on va dire que là, je peux le mettre. Hop. Hop, on va assimiler que c'est bon, hein, parce que, voilà. Soyons fous, après tout. Alors, je vous ai dit, hein, ce système va être beaucoup moins chiant à faire que le précédent. Il va pas y avoir de... Il va pas y avoir de, comment dire, un conteneur pour un truc. Non, 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 non. Pas de panique, pas de panique. Tout va très bien se passer. Il faut y croire. Il faut y croire, les gars, il faut y croire. Hop. Hop. Voilà. Ça, c'est fait. Ensuite, j'aurai plus qu'à les relier. Mais ça, c'est un détail. Tac, 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 tac. Attendez, il faut que je les relie impérativement par là. Tac. Et toc, faut que je fasse ça impérativement sur ce côté-là. Parce que sinon, ça va me... Ça va me faire chier, oui, je pense qu'on peut le dire comme ça. Hop. Voilà, c'est pas relié, c'est fait exprès, rassurez-vous. Voilà, on va faire la même de l'autre côté. Même si je sais pas pourquoi je sens que je me suis planté quelque part. Mais c'est pas grave, c'est une chose qui arrive, ça aussi.
Mais qu'est-ce que... Monsieur, vous avez rien à branler là. Casse-toi, connard. Merci. Je te jure. Hop. Voilà. Sur le chat, ils sont en train de raconter des conneries. Je suis forcé de ne pas regarder le chat. Parce que sinon, soit mon cœur explose, soit je rigole. Donc, bon. Disons que dans les deux cas, voilà. Oui, il me disait bien aussi que j'ai fait une connerie quelque part. Pas du tout comme ça que c'est censé se passer, monsieur. Voilà. C'est censé se passer. Ici, non, mais si je fais les choses, autant les faire bien, quoi. Un minimum, faut qu'on y est. Tac. Tac. Et tac. Voilà. Toi, tu vas là. Toi, pour le coup, tu vas là, gna gna. Voilà. Tu bouges pas, tu fais pas chier. Merci. Alors, maintenant que tout ceci est fait, il faut relier l'intégralité de ce système-là au convoyeur. Mais avant même de faire ça, les convoyeurs, on va les paramétrer. Alors, et il faut les paramétrer de manière extrêmement précise. Parce que si jamais je suis pas précis, je l'ai dans l'os. Donc, liste blanche. Donc là, ça va être trieur de convoyeur. Hop. Compose. Merci. Gnagnagnagna. Voilà. Liste blanche. Alors. Alors, pas tous les composants, surtout pas. Ça, faut surtout pas que je le fasse. Sinon, c'est le bordel. Alors. Donc, affichage, oui. Alien, je m'en fous. Alien, je m'en fous. Alien, je m'en fous. Gnagnagna. Café cosmique. Pas dans ce lien. Hein. Cellule d'énergie, oui. Juste, je vérifie bien, ouais, c'est bon, tout est bon. Chalumeau, non. Chargeur, non. Chargeur, non. Clan colo, je m'en fous. Composant de construction, non, parce que ça, je vous rappelle, c'est en haut. Détection, oui. Générateur de gravité, oui. Propulseur, oui. Réacteur, oui. Composants médicaux, oui. Composants radio, oui. Missile, non. Crédit, non. Deutérium, non. Explosif, non. Quoi que si, explosif, si, je suis idiot. Faradium, m'en fous un peu de ça. Ferraille, non. Fil d'émetteur, oui. Grand tube d'acier, oui. Gris métallique, oui. Kit d'alimentation, m'en fous de ça. Laser charge, non. Je m'en balance. Je m'en bats l'œil même, je vais être sincère. Magnetron component, oui, vas-y, fais péter les deux. Meuleuse d'élite, meuleuse pro. Moteur, oui. Ordinateur, oui. Panneau solaire, oui, vas-y, fais péter, je mets ça rentre là-dedans. Paquet, même pour ce que c'est ça. Petit tube d'acier, ouais. Pétracide, ça j'en ai pas. Blade, pierre, pilote, vas-y, fais rentrer un pilote dans le coffre, ça me dérange pas. plaque d'acier, non, package intérieur, non, je vous rappelle, tout ça c'est en haut, les poutres, bien sûr. Proprietary Trust Component. Même pour ce que c'est ce truc. Space Crédit, non, ça je m'en balance. Toile, non, ça je m'en fous, vieille ferraille, ouais, et vitre pare-balles, ouais. Alors, tac tac tac, normalement je suis censé tout avoir. Hein. Hop, donc ça c'est tout ce qui est autorisé à sortir des conteneurs, et c'est bien entendu tout ce qui est autorisé à rentrer dans le conteneur, c'est logique. Voilà. Me fait attaquer, c'est les choses qui arrivent, ça, comme toujours. Alors, vitre pare-balles, oui, vieille ferraille, oui. Je suis obligé de faire ça, hein, pas le choix. Qui ose me. Scatter drone. Ah, scatter drone. Alors, je vais te scatteriser, toi. Toi, je vais te satelliser. Vas-y, viens là, mon gars. Je vais t'envoyer en orbite martienne. Bouge pas. Ça se trouve, ces tirs, ils passent. Il est en train de flinguer mon astéroïde comme mon arme l'a fait de la dernière fois. Voilà. Nanana, je refuse que tout ceci arrive. Nanana. Il est où? Il est où? Kamikaze drone, alors toi déjà t'avais rien à branler là. Et l'autre a priori a été détruit. L'autre
très bien, dans ce cas le kamikaze drone, lui, va s'en prendre plein la gueule. Parce que c'est son karma, il avait capote là. Voilà. En plus de ça, il est à peine 500 mètres. Ah, attendez. Hop. C'est pas grave, c'est pas la bonne arme, c'est pas grave, c'est chose qui arrive ça aussi. Disais-je. T'apprends le respect, moi, saloperie de merde. Viens là, mon grand, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Mais si, je te jure. Son bouclier est faibli, je le vois, enfin, je crois, en tout cas. Ça commence à être long là quand même, hein. Je pourrais dire, mais. Et mes armes elles visent pas, hein. Tu peux y aller, mes armes elles en ont rien à branler, parce qu'en fait les armes elles bug. Là. Ouais, rien à branler, normalement ça fait pas de dégâts. Faut pas que je sache en tout cas. Voilà, tu vois, dans le métier, on appelle ça un feu nourri. Donc maintenant, on t'explose et t'arrêtes de me casser les reins. Merci, de base, t'avais rien à branler là. De toute façon, ici, c'est ma planète. Si vieux. Maintenant, on est en train de me dire que je suis vieux. Vous comprenez maintenant pourquoi je lis pas le chat. Ah, putain, oh Dieu. Ah, je m'éclate, mais en vérité, c'est épuisant. Alors bref, c'est pas grave, c'est chose qui arrive, ça aussi, maintenant on est en train de me dire que je suis vieux, non j'étais pas là, je suis pas aussi vieux que Willy. Non mais admettons, ils sont en train de parler du franc et de l'euro, et puis d'un coup ça me dit que je suis vieux, comme ça, sans raison. Sans raison, parce que l'attaque est gratuite, c'est chose qui arrive. C'est déstabilisant, me dire que je suis vieux comme ça, je sais pas comment je dois le prendre. Bouhouhou. Ah ah ah, et en plus de ça, il y en a qui se marrent. Je trouve ça inadmissible. Inadmissible. Du coup, il est paramétré, lui. Liste blanche, tout ça. Ok. Oui, d'accord, vas-y, monte sur le truc, je me ça peut t'amuser. Je te rappelle que par rapport à Anta et moi, t'es un gosse. Bah justement, je suis un gosse, alors pourquoi est-ce qu'on me dit que je suis vieux? Je refuse. I refuse de dire que je suis vieux. C'est le prix de merde. T'as refus non clair et catégorique. Alors attendez. Faut que j'essaie de me concentrer un petit peu. Ciel d'énergie, ouais. Chalumeau pro, non, ça je m'en fous. Chargeur, je m'en fous. Cancoula, je m'en fous. Ça je m'en fous. Composant de détection, oui, ça oui. Tac, 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 tac. Les crédits, ça je m'en balance. Explosif, oui. Fil d'émetteur, oui. Ferraille, oui. Quoique. Ouais, vas-y, la ferraille peut aller là-dedans, c'est pas grave. Faut que je modifie l'autre. Grand tube d'acier, ouais. Grille métallique, ouais. Gravier, non, ça je m'en fous. Tout ce qui est lingot, liquide de thorium, d'accord. Depuis, quand il y aura du liquide dans le jeu, on en reparlera. Magnetic component, oui. Medkit, non. J'espère que j'ai pas fait de la merde. Moteur, oui. Ordinateur, oui. Panneau solaire, oui. Paquet, je sais toujours pas ce que c'est. Pétracide catalyseur, petit tube d'acier, oui. Pierre, pilote, plaque d'acier, ça je m'en balance. Ça je m'en balance aussi. Les poutres, oui, parce que poutre la loutre. Space crédit, je m'en fous. Superconducteur, oui. Toile, non. Vieille ferraille, oui. Vitre pare-balles, oui. Et on est good. Ok. Non, Willy, t'es pas vieux. T'es très expérimenté, nuance.
Et en plus de ça, ça essaie de m'insulter sans que je le sache. Je sais pas trop comment je dois le prendre, mais je le prends extrêmement mal, sachez-le. Alors, ensuite. Tac. Hop. Hop. Et hop. Voilà. Voilà. Mais putain. Ça te dirait pas de te foutre dans l'autre sens, connard de merde? Là, voilà. Alors. Prends-le comme une corne. Ah bah oui, une corne, oui, qui enfonçait bien profond, ça je peux te le dire. Je le sens tellement s'enfoncer bien profond, tu vois. Je le sens même très bien. Très 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 bien même, je t'avoue. Voilà, passons au travers les nanites, parce que soyons fous. Tac, tac. Tout ça, ça vire. Tout ça vient. Impossible de retirer des nénés, je t'en foutrais, moi, saloperie. Voilà. Arrête de me casser les couilles. Bon bah alors Willy le noob, ah, on me traite de noob maintenant. Il va y avoir du bannissement massif dans les prochaines heures. Moi je vous le dis. Voilà, parfait. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est que toi, tu t'éteins bien gentiment. Et toi, j'ai dit, tu pompes bien gentiment et tout, s'il te plaît. Allez, vas-y, pompe tout mon rang. Ça peut pas sortir quelque... Ah bah si, si, ça peut sortir quelque part. Je suis trop con, moi. Excusez-moi. Non, monsieur, il refuse. J'ai fait de la merde sur la chose qui arrive, hein, souvent d'ailleurs, quand on y pense. Hop, voilà. Ah bah oui, c'est vrai, je suis con, moi, c'est déconnecté. Tac, tac, tac. Voilà. Et maintenant, on connecte tout. Hop. Ici. Voilà. Donc maintenant, s'il te plaît, tu pompes tout. Et là, ça peut plus ressortir nulle part. On est d'accord, hein? Non, parce que bon, voilà quoi. Demande à ton conteneur de tout pomper. Non, 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 non. C'est le trieur de convoyeur qui pompe tout. Pas de panique. Pas de panique. Pas de panique. Voilà. Je peux même lui filer un coup de main s'il le faut. Voilà. Je fais un coup de main parce que sinon on n'est pas rendu. Voilà, je vais rechercher les nanites. Comme ça, je peux aussi le faire moi-même. Alors ça, non. Comme ça, au moins, je vois si jamais j'ai fait des conneries. Donc la ferraille, du coup, j'avais dit oui. Pour le moment, je peux la stocker là, ça, je m'en fous. Non, ça, oui. Ça, au moins, ça me permet de voir si j'ai fait des conneries ou pas. Ça, non. Et tout ceci, non. Parfait. Visiblement, tout ceci a l'air d'être très bien fait et tout ceci tient visiblement dans un seul et unique conteneur. Ou peut-être deux, mais bon, voilà quoi. Du coup, alors attendez, il faut quand même que j'autorise la ferraille à ressortir. Je crois que j'ai pas fait ça. Je dis pas de bêtises. Ferraille, ferraille, ferraille. Alors, vieille ferraille, si, mais la ferraille simple. Non, c'est ça, la ferraille simple, elle, je l'ai pas autorisée. Donc, alors attendez, ça va pas traîner. Ferraille, ferraille, ferraille. Ouais, là. Juste, je vérifie bien que j'ai bien mis la vieille ferraille ici. Parce que vieille ferraille et ferraille, je vois pas trop c'est quoi la différence entre les deux. Surtout dans le jeu, mais je. Voilà, donc là, ici, j'ai la ferraille. Et ici, j'ai la vieille ferraille. Ok, tout ceci est à présent opérationnel. Tout vidé. Non. Voilà.
Et toi, tu te rallumes en pompant en rien. On se voit très clair. Voilà. Je revérifie une dernière fois que tout est bel et bien sur liste blanche. Tout est bel et bien sur liste blanche. Parfait. Donc là, maintenant, les nanites sont en partie vides. Et ça, c'est très bien. Il m'en fallait de la place. Hein. Tac, tac, tac. Ok. Alors, maintenant. Toi, es-tu paramétré? Alors ça, c'est les plaquages d'intérieur. Ok. Ce qui veut dire que ça, c'est censé être quoi? Outils. Oui, j'en ai profité pour renommer tous les conteneurs. Hein. Donc, hop, là pour le coup. Alors là pour le coup, vous allez assister à la partie chiante. Soit ça, ou soit j'arrête l'épisode là. Ça peut être une façon de voir les choses aussi. Il te manque les superconducteurs en sortie. Ah bon? Attendez. On me dit qu'il me manque les superconducteurs en sortie. Est-ce vrai? Est-ce vrai ou est-ce un putain de mensonge? Effectivement, c'est vrai. Je les ai oubliés, pour une raison qui m'est obscure. Superconducteur... Ça doit être quand on m'a traité de vieux, ça m'a distrait. Hop, voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, petit Seb. Et j'ai pas dit vieux, oui. Ah bon, t'as pas dit vieux? Ah bah c'est pourtant ce qui me semblait, tiens. Ah, tout de suite, quand tu vois que là, l'épisode est sur le point de se terminer, et donc que tu es sur le point d'être banni. Ah, tout de suite, ça change de version, là, hein. Ah, putain, je vous jure, je m'amuse. Bon, très chers amis, écoutez, je vais finir ça en off. J'espère que cet épisode vous aura plu, hein. Le paramétrage des conveyeurs d'extraction, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant, ni pour vous, ni pour moi. Mais bon, malgré tout, faut le faire. Donc, très chers amis, j'espère que cet épisode de Space Engineer vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Jusqu'ici, portez-vous bien. Et à la prochaine !